croiser Robert. Robert hein? Quel Robert hein? Lâche-moi le coude. Oh, il est pas mort celui-là? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu viens de dire que tu viens de le croiser? Je sais pas s'il est mort ou pas. Il était mourant. Comment ça, il était mourant? C'est ce qu'il m'a dit. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il était mourant. Comment ça? Mais il t'a dit quoi? Qu'il était mourant. Mais tu l'as croisé où? Pas loin. Mais quand? Il faisait quoi? Il râlait. Il râlait? Et toi, tu l'as laissé râler mourant sur le trottoir? J'ai eu un point de côté. Comment ça? Il courait. Il qui? Robert. Pourquoi il courait? Tu m'as dit qu'il était mourant? C'est ce qu'il m'a dit juste avant de me décrire ses symptômes. Ah, ça l'a pris où ce coup-ci? Dans la rue. Non, ses symptômes. En fait, c'est pas les siens. C'est quoi les siens? Pas le premier remède. Bon, il se paye les symptômes de second mort, lui, maintenant. Tu m'embrouilles, là! C'est moi qui t'embrouille? Mais je comprends pas un mot de ce que tu me racontes. Il est mourant ou pas? Mais arrête de gueuler! Ah, merde! Tu me refolles! Tu sais bien que j'ai pas le droit de m'énerver à cause de ma tension! T'énerve pas! Bah, merci! Robert m'a raconté qu'il avait croisé Henri. Henri? Qui? Henri. Le mytho? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il avait ce coup-ci? Embolie. Embolie? Pulmonaire. Où ça existe ça? Et comment? Tu vas comprendre. Henri a raconté à Robert qu'il avait passé une nuit épouvantable, avec étouffement, écrasement du plexus, douleur diffuse, roue à profusion, crampes et brûlures d'estomac. Ça le prenait là, et ça remontait, et ça le prenait tout de la cage, et ça le serrait. C'est le cœur ça. C'est ce qu'il a cru. Il a téléphoné à SOS, qu'il y a expédié un cardio, qu'il y a fait la complète. Rien au cœur. Il a dit, ça va douleur de l'embolie. Qui a dit ça à qui? Le cardio. Non, à qui? Henri. Embolie? Embolie pulmonaire, oui. Et après? Il a couru direct aux urgences. Robert? Mais non, pas Robert, Henri. Mais pourquoi tu me dis qu'il court à l'hôpital? Si tu me dis qu'il est mourant et qu'en fait il est encore en train de courir là, je comprends pas. C'est Henri qui court. Il court où? Est-ce que je croyais que c'était machin chose là? Lâche-moi le coude. Qui courait que t'avais pas pu le suivre? À cause de mon point de côté, oui, si tu veux. Mais tu parles de Robert là? Si tu veux. Mais je croyais qu'il était mourant et que tu l'avais laissé crever sur le trottoir. Je t'ai dit qu'il avait croisé Henri et après il a eu peur qu'Henri lui ait collé sa saloperie. Quelle saloperie? L'embolie. C'est contagieux? J'en sais rien. Comment ça, t'en sais rien? Mais c'est la première chose qu'on demande. Mais je savais pas. Merde, tu sais jamais rien. T'es resté longtemps avec lui? J'ai pas pu. Longtemps. J'ai pas pu. J'ai couru à mon moment et j'ai dû arrêter à cause de mon point de côté. Et d'accord, hein? D'accord? Mais tu courais où? Aux urgences, je te dis! Voir Henri? Mais non, va voir Henri, il en a rien à foutre d'Henri! Pourquoi il irait le voir? Il ne peut pas le voir! Mais pourquoi il courait aux urgences alors? À cause de son embolie, je te dis! D'accord? Mais pourquoi Robert a peur d'avoir chopé l'embolie d'Henri? Toute la nuit. Mais lui? Lui qui? Robert, il a eu les symptômes. Et quels symptômes? Ce qu'Henri lui a décrit. Les symptômes de l'embolie. Robert? Oui, Robert. Ça l'a pris là et ça lui a écrasé avec impossibilité de reprendre son souffle. Ah, mais ça, c'est le cœur, je suis désolée, mais ça, c'est le cœur. Le cardio dit non. Il a dit embolie. Les douleurs intercostales, les roues à confusion. Tu te retrouves comme un poisson rouge hors de son bocal, la gueule ouverte, les yeux les doigts palpitants, sans pouvoir respirer. Ah ouais. Mais comment tu sais tout ça, toi? Robert me l'a dit. Mais qui le lui a dit à lui? Henri. Ah, il est médecin, Henri. Mais non, son cardio. Ah bah Robert a vu le même. Le même quoi? Un cardio. Mais comment tu veux que je le sache? Que tu saches quoi? On peut jamais discuter avec toi, t'écoutes jamais quand on te cause. C'est toi qui me dis ça? Alors que ça fait des plombes que tu me fais chier avec ton embolie de merde et tes deux connards de crevard, hein? Qu'est-ce que t'as? Je respire plus.
m'appuie, ça m'écrase, ça me serre, ça... Ah, merde. Pardon. Bon, ben, laisse-toi aller, hein, si ça peut te... Mais où tu cours comme ça? Avance-toi. Attends-moi. Ne me laisse pas, là, je crois que je vais chauffer aussi, là. Attends-moi. Attends-moi. Ça d'un ton. Quel ton? Et avec une gueule. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? T'as une gueule à faire peur. C'est ma seule gueule, j'en ai pas d'autre. Désolée. Faire un effort. Quel genre d'effort? Un sourire. Pourquoi faire? Pour que je te croie. C'est-à-dire? Sois franche alors. Et si j'ai pas envie de sourire? Ben, dis, ça va pas? Pas super. Si je dis super, c'est super. Si je dis ça va, c'est que ça va. Je te crois pas. Que tu me crois ou non, je m'en tape. D'accord? Moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Hein? Merci. Mais pas de quoi. Et toi? Quoi, moi? Ça va? Moi? Oui, toi, ça va? Tu réponds pas. Je préfère pas. Souris alors, vous comprendrez. Ça, sourire, je sais faire. Voilà. Bon, ne souris pas. Mais pourquoi? Parce que ça te donne l'air encore plus faux cul que d'habitude. Tu trouves? Super faux cul, oui. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? C'est drôle, ça fait des années qu'on vit ensemble et tu m'as jamais dit ça. Je t'ai jamais dit quoi? Ben que j'avais l'air faux cul en souriant. Pas seulement quand tu souris. Ah bon? Disons que quand tu souris, ça se voit plus. On m'a jamais dit ça. On a eu tort. T'as pas une glace? Comment ça, une glace? Un miroir, un truc pour se voir dedans. Et pourquoi faire? Pour que je vois si j'ai vraiment...
vraiment l'air faux cul, en souriant. Tu vérifieras ça demain matin à 3 ans. J'ai peur qu'en ton absence, je perde mon air souriant, foutu. C'est moi qui t'inspire. Absolument. C'est un joli compliment. Tu le mérites. Mmh. Merci. En prime, t'as droit à sourire. Arrête, c'est trop. Non. C'est bien. Bon, ben, super alors. Faux cul. Trop duc. Bravo. Merci, mais c'est un tel plaisir. Vraiment? C'est comme si les années n'avaient pas pris sur vous. Vraiment, vous trouvez? Je ne vous dirai pas, sinon. Bien sûr. Bien, vous êtes ça. Toujours souriante. On essaie, n'est-ce pas? C'est pas comme votre frère. Quelle tête de con, celui-là. Pardon, je m'excuse, mais... Vous n'avez pas à vous excuser. Lui, c'est lui. Vous, c'est vous. Je ne m'excuse pas, mais... À la télé, il tire une tronche. Je n'ai pas de frère. À la télé, si vous voyez bien. Non, je n'ai pas de... Vous n'avez pas de télé? Heureuse femme. Ne le prenez pas mal, mais à votre frère, je ne peux pas le saquer. Son côté, je sais tout, m'exaspère. Je lui trouve une gueule pas possible. Le voir, soir après soir, pontifier. La littérature, la philo, la culture, l'économie, tout y passe. Il y a des soirs, j'ai envie de lui mettre des claques dans la gueule et des coups de poing dans le cul. Je n'ai pas de frère. Oh, moi aussi, hein, si j'en avais un comme ça, je dirais comme vous. Je vous comprends. Il a l'air tellement obséquieux. Oh, vous n'avez pas dû avoir une enfance heureuse avec une enfure comme ça à domicile. Hein. Pourtant, vous avez su rester simple. Gardez la fraîcheur, le sourire, l'humour. Merci, mais... La vie est mal faite. Sur ce point, nous pourrions tomber aisément d'accord. Pourquoi c'est lui et pas vous? Pardon? Pourquoi c'est lui qui nous fait chier tous les soirs à la télé? Et pas vous? Hein? J'ouvre la télé, il est là, blablaté. Il dort dans mon poste ou quoi? Ce dont on a besoin, c'est d'optimiste, mon Dieu! Un sourire de temps en temps, ce serait plus agréable, non? Que les conférences sur le déclin de l'Occident, le réchauffement de mon cul, la globalisation. Enfin, je sais pas, mais... Moi, personnellement, je préférerais vous voir sourire sans rien dire que l'entendre déblatérer sur la crise. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la crise? On a juste besoin d'un peu d'espoir, un peu de musique, un sourire. Je ne vous suis plus du tout, C'est simple. Pourquoi c'est pas vous qu'on voit à la télé plutôt que votre connard de frère avec la gueule de Billy Wiggy? On n'a aucune raison de me voir dans le poste. Vous êtes beaucoup trop modeste. Voilà. Et lui, pas assez. Je ne suis pas modeste. Si, si, beaucoup trop, je vous dis. Je ne suis pas modeste, je n'ai pas de frère. J'ai une sœur. Sans la connaître, je comprends que vous préfériez parler de votre sœur plutôt que de votre frère. Hein. Seulement voilà. Un frère reste un frère. Je comprends tout à fait que vous préféreriez en avoir un autre, ou même pas du tout. Hein. Mais là, c'est pas comme ça que ça marche. Votre frère, que vous le vouliez ou non, restera votre frère jusqu'au bout, et même après. C'est une question d'état civil.
Je crains qu'il y ait erreur sur la personne. Quelle personne? Je ne suis pas celle que vous croyez que je suis. Pourquoi dites-vous ça? C'est dur, vous savez. Moi, je vous parle avec amitié, respect. J'essaie d'exprimer toute l'admiration que j'ai pour vous. Je ne vous agresse pas. Je ne vous agresse pas non plus. Bah si, quand même. Je dis que je ne suis pas celle que vous croyez que je suis, ni la sœur de celui que vous voyez tous les soirs à la télé. C'est-à-dire? Je n'ai pas de frère, donc il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas celle que vous croyez que je suis. Ça, c'est impossible. Pourquoi est-ce impossible? Depuis l'enfance, on m'appelle œil de lynx. Je reconnais au premier coup d'œil tous les mômes avec qui j'étais à la maternelle. Vous il y a plus de 50 ans. Vous étiez à la maternelle avec moi? Non, avec vous, non. Avec votre frère, oui, rue Charlot. Il avait déjà sa gueule de travers et son caractère de chiotte. On l'appelait casse-bonbon. Oh, je le revois pleurant dans la cour et courant cafeté. Casse-bonbon, non, je n'ai jamais eu de frère et je n'ai jamais fréquenté la rue, la maternelle de la rue Charlot. Ah. À quoi? Je vois. Vous voyez quoi? Rien. J'aime mieux ça. C'est une saloperie de maladie. Quelle maladie parlez-vous? Elle avance masquée, on garde une apparente fraîcheur et on pourrit totalement l'intérieur. C'est terrible. Je ne vous suis pas du tout. Je ne comprends pas un mot de ce que vous me dites. Ça ne m'étonne pas. Vous ne vous souvenez sans doute même pas de mon nom? Absolument pas, oui. Et du vôtre? Du mien? Oui, du vôtre et de celui de votre frère par la même occasion. Pourquoi me souviendrai-je de votre nom? Je ne vous connais pas. Oui, oui. Vous êtes très fort dans le déni et l'évitement. Tous les malades sont comme ça. Allez. Je vais vous mettre de l'âme sur la voie. Il y a du père dans votre nom. Du quoi? Il y a du père dans votre nom. Je n'ai pas de frère. Oui, oui, c'est entendu. Vous avez bien un père. Tout le monde a un père. Et ce père porte le même nom que vous? Non, c'est moi qui porte le même nom que lui. Et quel est ce nom? Il y a du père dedans. Du père dedans quoi? Du père est l'anagramme de Dupré. Dupré, ça ne vous dit rien? C'est un moyen mnémotechnique pour vous aider à vous souvenir de votre nom et de celui de votre frère par la même occasion. Je ne comprends pas le traître mot de ce que vous me dites. C'est triste. Mais qu'est-ce qui est triste à l'affaire? La vieillesse est un gouffre, la maladie, un naufrage. Pourquoi me dites-vous ça? Vous cassez pas la tête. Dans 5 minutes, vous aurez tout oublié. J'espère. Père égale qui? Merde. Bon. Vous passerez bien le bonjour si vous souvenez de votre rencontre, à votre connard de frère. Je n'ai pas de... Je sais. Je comprends pourquoi il tire la gueule à la télé avec une sœur dans votre état. Le pauvre. Si vous n'arrêtez pas avec cette histoire de frère et de télé, je vous casse en deux. Tiens, nous y voilà. On y tient à son frérot, hein. On l'aime quand même. Bon, je comprends ça. Je ne voulais pas le moins du monde vous blesser. Rien ne me blesse. Vous saurez rentrer chez vous, toute seule? Comment demandez-vous ça? Si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas. Ce serait votre frère. Je laisserai crever en pleine rue et tourner en rond. Mais vous, malgré votre état, vous m'êtes, comment dire, sympathique. Vous vous appelez comment, vous? Moi? Bah oui, vous, qui d'autre? Ce serait mieux que ce soit vous qui le disiez. Pourquoi moi? Histoire de vérifier que vos connexions fonctionnent encore un peu. Quelle connexion? Allez. Allez, je vais vous mettre sur la
Du quoi? Minou. Miaou. Vous vous foutez de moi? Je sais que vous aidez. Ne m'aidez pas, je me fous de votre nom. La mère Michel, vous connaissez? Quelle mère Michel? Celle qui a perdu son chat. C'est la mère Michel qui a perdu son chat, qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. C'est le père Lustucru? Oui, voilà, Lustucru, vous y êtes! Vous vous appelez Lustucru? Oh non, je vous ai dit, il y a de la mère dans mon nom. Michel! Je m'appelle Michel. Michel comment? Micheline Georgette Michel. Je ne connais pas. C'est triste, et ça ne m'étonne pas. J'espère que vous êtes bien suivi. Qui voulez-vous qui me suive? Bien. Mais vous transmettez mes respects à votre sœur et à votre frère également. Je ne suis pas rancunière. Pauvre femme. J'irai pas aller chez elle, hein, pour faire quoi?